septembre, hier il est 14 septembre, hier il y a des événements qui nous pas proposés aujourd'hui, nous pas proposés le lancement dernier iPhone Apple, nous pas proposés le Ronaldo Manchester United qui gagne par débat en Tizeles, nous proposons démocratie. Donc, démocratie, c'est un terme très vaste. Nous avons la corruption, nous avons rule of law, fonctionnement la police, fonctionnement judiciaire, fonctionnement parlement, l'exécutif. Nous proposons tout ça dans un petit moment. Mais surtout, nous pouvons avoir quelques questions pour poser à l'Internet. Donc, vous êtes capable de voter en ligne. Donc, vous demandez l'argile à vos questions numéro N. Et dans la foulée, nous pouvons poser une nouvelle invitée, nous pouvons être conversation. Nous pouvons ça immédiatement. Bon, la question numéro N, est-ce que Maurice Pépine est dictature? Oui, non, presque. Voilà. Avant qu'il me rejoigne Robin Boulel, Kailash Pouyag et Anga Posoramel, nous rentrons dans le vif du sujet. Robin Boulel, Anga Posoramel, ancien ministre. Merci d'accepter l'invitation. Pour sa plateforme Point Meyer Maurice. C'est quoi en fait Point Meyer Maurice? C'est une plateforme de citoyens de la société civile qui joignent tous les mois et qui aussi fait un débat en ligne par rapport à différentes thématiques de la société, à différents problèmes. Okay. Et nous classifions en quatre catégories. Premier, c'est tout ce qui est lié à la corruption qui nous prouvait qu'il y a un problème majeur de la société. Donc on a dit de voter, de tasser. Et l'équipe qui l'a, je travaille par rapport à ma proposition qui vise à faire pour améliorer les choses. Deuxième, c'est une démocratie malade, donc nous proposons essentiellement dessus aujourd'hui. Troisième, c'est tout ce qui concerne l'économie qui est en difficulté, une ère de travail, une manière énorme de choses. Quatrième, qui concerne le fonctionnement du gouvernement en général, donc open government, qui manière de faire un gouvernement bien plus ouvert, transparent. Et le cinquième concerne le bien-être ou l'environnement, qui comprend l'éducation, la santé, l'écologie et les autres. Okay. Mais pour sa journée aujourd'hui, le 15 septembre, journée internationale de la démocratie, qui est un sujet qui tenait nous tous bien à cœur, pour remercier ce chapeau une fois, et je passe la parole immédiatement au premier, M. Kailash Pouyag. Vous faites ce point par rapport à sa thématique d'aujourd'hui. Bonsoir, mon camarade. On remercie le parcours pour la nouvelle Maurice et le MHD qui s'en a ce soir pour participer dans sa colonne débat sur la célébration de la journée internationale de la démocratie. Vous pensez que quand nous parlons de la démocratie, nous pouvons focus sur nos démocraties. Qui dit était et qu'est-ce qu'il a arrivé aujourd'hui? Vous connaissez que la démocratie ne veut pas dire élection chaque 5 ans. La démocratie veut aussi dire un gouvernement en discussion, un gouvernement qui fonctionne de la transparence, un gouvernement qui rend compte de la gestion des affaires publiques, un gouvernement qui respecte les institutions, surtout les institutions de la Constitution, et un gouvernement qui respecte tous les droits citoyens. Un gouvernement, le pays qui appartient au peuple, qui pas appartient à un parti politique ou le gouvernement qui est au pouvoir. Le gouvernement vise à respecter les droits des citoyens, respecter l'opinion publique pour qu'il y ait une démocratie fonctionne. D'ailleurs, là, on écoute un ministre dire nous démocratie en bas là-haut. Il y a un ministre en bas. Mais nous démocratie partit en bas là-haut quand on gagne l'indépendance en 68. Dans nos constitutions, qui sont nées en 1968, qui ont beaucoup de garde-fous et beaucoup
talèm an gouvin nou la pou ki nou gagne un peyi juste et demokratik. Nou, konstitisyon la source de la konstitisyon pa trouve dans l'écriture de la constitution. Li pa trouve qu'une constitution bien draftée, bien rédigée. La source d'une constitution li trouve dans le psyché, dans l'esprit, dans l'âme du peuple. Et li se trouve dans le psyché, dans l'esprit de ban dioun qui nous choisir pour gouverner. Si ça pas existé, nous payons la démocratie. La démocratie de 1968, quand nos constitutions tindées, quand la mondiale qui met une constitution presque unique dans le Commonwealth, parce que tu mets pas le bon coup que le président à cette époque-là, le gouverneur général, et qui donne lui un pouvoir discrétionnaire et qui crée une institution démocratique. On me dit qui le dirigeant d'abord. Sa constitution-là, il amène nous la stabilité politique et sociale. Et c'est la base de nos développements économiques. Ça, à l'époque-là, nous tirons une institution démocratique et à la fin de à la tête, ça va institution là, qui est un monde qui est une culture de la démocratie. Et ça va du monde là qui est nommé parce qu'il y a un dirigeant d'alors qui est animé par, qui est animé par la démocratie. Aujourd'hui, quand nous faisons constater qu'il est arrivé dans notre pays, nous trouvons ça une déviant en bas là-haut. Aujourd'hui, depuis 1968, nos constitutions ont subi à peu près 26 amendements. Et nos amendements ont fait qu'il a approfondi la démocratie. Mais nos amendements ont fait qu'il fragilise notre institution démocratique. Ici, nous venons faire ressortir qui, quand à la conférence constitutionnelle de 1965, l'esprit qui anime le père fondateur de la Constitution de 68, c'était créer une société juste et démocratique. Et c'est à cause de ça que plusieurs institutions, une nomination de plusieurs institutions, qui tirent ça depuis dans l'arène politique. D'ailleurs, le secrétaire d'État anglais, quand il fait son discours à la fin de la conférence, il dit que many of the important institutions to ensure a democratic, just a democratic state have been removed from the political arena. Donc on parle de tout bien comme ça, tout ça là est recordé dans des documents. Et un document sécessionnel paper numéro 2 de 1965 et un autre papier qui fait le sécessionnel paper numéro 6 de 1965 qui résume le débat qui était dans la conférence constitutionnelle de 65 et qui fait créer la constitution de 65. Mais aujourd'hui, quand nous guettons qui peut arriver, les bien sérieux. Dans nos wildest dreams, comment le dire, nous pouvons attendre que nous portons notre pays tombe dans une situation comme ça. Moi, donne-moi un exemple. Nous prenons le speaker. Beaucoup de débats peuvent faire de la gestion du Parlement. Qui même Parlement peut fonctionner. Vous connaissez le Parlement, il est dans, au cœur de la Constitution de Maurice. Et le Parlement, libisien, assure qu'il y a un gouvernement accountable au peuple. À travers un député pose question. Le Parlement vient d'outil un pilier de notre démocratie, comme les judiciaires et l'exécutif. Mais aujourd'hui, le Parlement paralysé. Qui fait le Parlement paralysé? Sa même Parlement, sa même standing order qui passait en 1969,
fonctionner correctement, le Parlement fonctionner correctement jusqu'à ça, jusqu'à quelques temps de cela. Qui fait repétir, tel est la Mungao, qui est un du monde qui est nommé à la tête d'une institution, qui vise dans la culture de la démocratie. Philippe dans la culture de la démocratie, les paralyses de Parlement. Et aujourd'hui, voilà le résultat qui nous fait gagner avec une personne qui, peinant sa culture-là, pas comprend ce système-là, peinant dans son esprit, peinant dans son âme, il est malheureux, mais il comme ça. Mais aujourd'hui, on ne va pas connaître combien les temps sont l'air, mais ce qui est important, nous faisons penser qu'il ne va pas confondir la démocratie. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Nous avons l'amour, créer une compagnie privée, par une compagnie d'État politique, juste pour échapper au contrôle du Parlement, parce qu'il y a une compagnie là qui pose question dans le Parlement, par le ministère. Ça va être une compagnie privée, ça ne va pas une compagnie, ça ne va pas être. Mais ça, c'est un moyen déguisé que peut gérer par des milliards de roupies de du peuple qui aujourd'hui nous trouvent ça va pas faire un compte, pas faire un compte. Beaucoup de pays, ils finissent sans social constitution. Mais on dire, nos pays sont constitution, d'après ça, ça tamboule, qui nous dira sur le livre, en tout l'historisme. Il y a une photocopie de la constitution de Trinidad et Tobago. Et aujourd'hui, Trinidad et Tobago, en 1976, il finit en mort sa constitution et il finit donne certes beaucoup pour plus pouvoir de président de la République. Tant par exemple, tout ça va une compagnie privée là maintenant, sous le contrôle du Parlement, pareil comme un public accounts committee pour les affaires de l'État. Pour mon parascétal body, même mon public enterprise aujourd'hui, et même si la comédie qui mettait pour qu'on ait de façon qu'ils ont dépassé l'argent et de façon qu'ils ont géré l'argent public. Si nous avons Singapour, une autre constitution pareille comme à nous, qui fait élire son président de façon qu'il nous fait élire, nous élire nos présidents, insensé. Singapour aujourd'hui, son président élu par suffrage universel. C'est là qu'il donne le président une légitimité à lui et qu'il est capable d'opérer en toute liberté et en toute indépendance. Et sous sa constitution de Singapour, là, il met un presidential council qui, le président, agit sur le conseil du presidential council. Voilà, donc, nous visons réfléchir à tout ça là. Et dans Trinidad et Tobago, et non, le président élu est élu par une collegial vote, c'est-à-dire par le Sénat et le Parlement. Nous nous faisons un Sénat. La question que tu posais en 1965, est-ce que nous faisons créer un Sénat? Mais tu dis non, pas capable de créer un Sénat parce qu'il paye ton propos, pas capable de dépenser l'argent plus. Mais tu dis, tu renvoies ça pour considérer après. Est-ce qu'il nous besoin aujourd'hui et nous besoin qu'il ne soit pas capable que le président élit de la façon qu'il est élu. Besoin soit suffrage universel, donne plus de pouvoir pour contrôler l'exécutif, ou soit mettre un collégial pour capable élire le président. Et comme ça, il faut une légitimité pour lui et pour lui capable. Ensemble, on va dire sans le système de la démocratie parlementaire. Je ne peux pas dire instaurer le régime présidentiel. Je peux dire ça va le pouvoir, contrôle, qui est dans la constitution de Singapour, qui est dans la constitution de Trinidad et Tobago, où gère le pays de la façon qu'il est géré, il y a important. Moi, je crois, adresse, pour prendre peu de temps, moi, je crois, c'est un dernier point qui est important, c'est les élections qu'il fait à Maurice. Est-ce qu'il n'y a pas le temps pour nous revoir la façon que nous faisons l'élection en Maurice. Mon père, cause système, mon père, cause bien, ça peut-être dans la discussion qu'on va poser, mon père, cause la façon, le droit qu'il est premier ministre et non, pour lui, c'est lui qui décide, lui sous le Parlement, et lui décide qui joue pour la RIP, qui joue pour l'élection, pour l'INDE, et qui nomine SND, et qui joue pour l'élection. Et ça, encore une fois, ça s'attend à vous, les gens qui ont fait l'histoire,
qui désavantage l'opposition. Ça pouvoir là, il est sorti dans la main, président, un premier ministre, il est dans la main ici. D'ailleurs, la section 41 de la Constitution, il dit qu'ISI, à part le pouvoir qu'il décrit dans la paragraphe là, il est capable de gagner les autres pouvoirs qui donnent lui. Et ça, il est passé d'après, il est passé un acte au parlement pour donner ça le pouvoir là. Et vous pensez que le pouvoir de fixer les élections, après qu'il y ait déjà des rats, le ISI a un pouvoir de sanction quand il y a un abus d'une campagne électorale. Donne-nous l'exemple. Par exemple, le MDC, façon qui est arrivé dans les élections 2015, vous connaissez, moi non, ou un renseignement. Quand ISI appelle lui, il écrit une lettre ISI, il dit que ça va faire un compte pour un mois. Mais c'est moi pas le cas si mon gouvernement. Donc, quand tout le monde pensait qu'il y a un grand pouvoir pour sanctionner, il peine un pouvoir et puis être donné lui sa pouvoir. Et nous vous revoir, nous représenter chez nos people's act. Un vieil loi qui date de 1958, basé sur la loi militaire. La loi militaire finit sans plusieurs fois. Il finit modernisé, nous avons en place. Voilà. Dans quelques mots, c'est que nous avons beaucoup de questions pour nous capables de poser, mais moi je dis à d'autres, moi je suis là pour cause de la fragilisation de nos institutions retenant des questions. L'amendement qui est apporté au section 92 de la Constitution, que tu introduis un paragraphe qui dit que le Public Service Commission, le membre Public Service Commission, par le monde discipline forces commission, capable de démissionner après l'élection générale, à any time, pas de notre délai de within one month, à any time. Il m'a dit l'épée d'Amoclès de notre année. Donc, je comprends qu'il m'a dit à tout là. À qui vous servez pour que ça là? À qui vous êtes subservient? C'est une institution. Quand tu fais en 1965, dans le rapport du professeur de Smith, dans le papier, c'est sur le papier numéro 2 de 1965, il dit qui est le membre Public Service Commission, le membre de cette Police Service Commission à Dalo, pour une cycle judiciaire sécurité en Kenya, par une zile de la Cour suprême, pour qu'il soit influencé par un politicien. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il savait arriver de la façon qu'il nous fait faire ça? La section 113. Alors, on dit beaucoup de monde crier, ça t'appelle, si le commissaire de police peut nommer le contrat pour un mois. Mais qui fait un phénomène pour un mois? Qui fait? Sur qui? Ça, c'est sans section 113 de la Constitution. Quand tu dis qu'il s'est juge des pupilles, on dit en général, le commissaire de police capable de nommer sous un contrat. Mais pas moins qui 4 bananes. Contre la vision plus qui 4 bananes, pour donner une sécurité au Seigneur, pour n'y pas sous l'influence des personnes. Aujourd'hui, dans le monde de sa section-là, il fait les vignes. Tu mettais notre laisse dans le fourrière, à ce dire notre mot dans le fourrière. Si à cause de ça, tu peux gagner un commissaire de police pendant une banane, que tu as position d'une précaire, comme dit l'épée sur la tête, tu peux suivre l'instruction. Et quand la Constitution en 1965 dit que la police est une institution indépendante, alors on dit qu'il n'y a pas comme ça. Voilà quelques mots de mes camarades qui me tiennent en prière, me tiennent les autres, ça fait un parolé, mais le pauvre, trop de temps. Mais nous avons posé ta lettre dans la dernière. J'ai aussi une première question par rapport à cela, à la présentation de quoi. Donc là, on vous invite à venir vous laisser faire ce point pour ce sujet-là, donc vous rappelez, Robin Boulel, il ne suspend pas le Premier ministre qui décide suspendre pour 8 sittings, qui fait une partie 10, qui fait une partie 15, qui fait une partie 3. Donc, mais c'est le Premier ministre qui décide de tout ça, comment Pélage Brouillard est effectué, il y en a beaucoup de pouvoir. Robin Boulel, fait-lui le suspendu de la République, du temple de la démocratie, des citoyens. Merci bien. Après l'intervention de l'ancien DBN, speaker et président de la République,
But if I must have a child, then be the father of the man. J'ai vu devant une parterre de la réalité distinguée, et pour autant, sur le panel, il y a aussi une camarade en Bougon, qui est le pour et qui nous fait ce preuve au sein des institutions internationales. Laissez-moi remercier vous pour le débat qui a lieu, la session interactive. Pour commencer par dire, ce n'est pas la démocratie qui est le problème. C'est ceux qui sont à la tête des institutions qui sont des malades. Et d'ailleurs, pour passer un exemple, pour vous montrer où il y a une pattern, malheureusement, sans que nous faire la politique, avec ceux qui sont à la tête de ce gouvernement et qui étaient à la tête de ce même parti. Et laissons commencer par ce qu'on appelle la ABC. Elle voit celui qui est élu speaker, il a une responsabilité devant l'opposition et devant le gouvernement. Et l'opposition needs to have its say, et government will have its way. Et c'est vrai. Le Parlement lit le temps de la démocratie. On peut dire que le Parlement souverain. Mais sa souveraineté là, l'idée banne, bien sûr, ceux qui sont les gouvernants. Et le Parlement, un de ses piliers qui, bien sûr, fait partie de ces piliers qui, tout le temps, exigeaient que vous ayez la séparation de pouvoir. Mais le speaker, vous vous demandez la question, est-ce que l'habit fait le moine ou bien le moine qui fait l'habit? Une fois le wear the gown, il doit être respectueux de ce speaker. The chair doesn't vacillate. Mais si il y a un speaker quand il dit bouté, malheureusement il va être capable. Il vient vers où ce body language se divise. Et quand le speaker en est suivi, les parlementaires, on propose. En présence d'un ancien speaker, les parlementaires disaient ce qu'on appelle observe le silence. Pour ne pas dire que le Parlement, c'est un monastère. Et dans le Parlement, si vous optez pour le droit de la silence, le droit du silence, vous pouvez culpabiliser sa représentativité gouvernementale. Parce que ouais, le représentant du peuple m'a mandaté pour faire votre travail. Mais vous trouvez dans le passé qui est arrivé. Pas oublier que dans le passé, finalement, la Constitution pour ainsi un leader de l'opposition. Et bien sûr, si demandé qui lit un livre. Et quand le Parlement convine, vous voyez le verbe. Et après, récemment là, après mon vidéo suspension, qui veut dire arbitraire, finalement, c'est ce qu'on appelle la tyrannie du nom. C'est qui, le camarade, il se voit bien nous dire. Et on ne peut pas servir la tyrannie du nom pour qu'il y ait une collusion en tant que délictueuse, on va nous dire, entre le speaker et l'homme politique de l'exécutif. Et nous fait trouver qu'une manière, à la lumière de ça, c'était le relâchement de la Constitution pour amener ce qu'on appelle Public Procedure Bill. Et imaginez-nous, si vous tenez une mainmise, l'on a une institution qui est bizarre, indépendante et qui est indépendante. Le bureau du speaker, le bureau du député. Et aujourd'hui, bon, pas pour cause de Kistin Papers, je me trouve à Soubron, à la radio,
Because effectivement, c'est qui Kailash Roya veut dire. L'Electoral Supervisory Commission. Est-ce qui, quand nous pécose le pouvoir de l'Electoral Supervisory Commission et le Parlement, parce que nous voulons parler d'élection, des affaires de transparence et non pas dans l'opacité, qu'avons-nous bien sûr au financement des partis politiques. Alors, mais aussi, ne pas nous banaliser les choses. On ne peut pas être pas là pour apporter le blâme, sauf bien sûr, on pointe du doigt à ceux qui sont au pouvoir, surtout le Premier ministre et le Premier ministre du MSM. Alors, mais c'est vrai aussi que ce soit le commissaire électoral, ni par la perception, ni par les paroles, pas capable de banaliser pour dire parfois du tout abuse de ce qu'on appelle le financement des partis. Et là, toute l'inquiétude vient davantage d'aller là qu'à la soirée, parce que la compagnie, largement le plus gros actionnaire, c'est l'État, mais listé sur la bourse, n'est pas answerable au Parlement. Mais bon, plus loin, maintenant, là, c'est ce qu'ils appellent off-budgetary expenditure. Et quand il y a off-budgetary expenditure, parfois, par la réponse que vous avez demandé, la réponse aux questions demandées. On fait trouve qu'à la fois, on va pour certainement dire qu'il va prendre icing sugar l'eau sur la tête, mais il vous connaît quand il tire au gouvernement, à ma stalène, si vous dites. Et dans finance bill, c'est la mesure qui s'est annoncée qui est partie dans le discours du budget. Mais le speaker, bien sûr, on te crée l'eau pour appel à l'autre, même celui qui met avec le projet de loi. Et même, le speaker, bien sûr, il dit un appel à l'autre, les parlementaires, que ce soit du gouvernement ou de l'opposition. Alors, maintenant, c'est un diplôme qui s'appelle Heseltine, le Tarzan. Il dit qu'il prend le maze. Il t'y virait. Mais on ne peut pas croire qu'il y a une suspension éternelle à vitam. Moi, Béranger et Bagouane, nous avons une suspension éternelle à vitam. Bien sûr, nous avons l'avocat là, nous avons le travail, et flagrant violation des provisions de la Constitution. Après le budget minime, nous disons qu'il y a un changement d'attitude. Pour la bonne foi, le Premier ministre, bien sûr, l'opinion publique, c'est pas qu'il attend 5 ans, mais qu'il réagir. Et il agit, le Premier ministre, il avait une motion pour dire qu'il, comment dire, par contre, il a besoin de nous rentrer et faire le travail. Maintenant, je vous demande la question. Est-ce qui, à la lumière de ce qui est arrivé, nous capables de continuer avec le même système de gouvernance? C'est un comité qui met sur pied au bord, c'est des pirou qui préside le comité pour revoir, c'est la langue pour revoir les provisions des standards. Parce que c'est vrai à Maurice Dubénet, Second Chamber, contrairement à House of Commons, le Premier ministre est mis leader de House. Il y a un issue. Alors, voilà. Le Premier ministre, en motion minibou, suspend-moi ou N plus B. Et vous connaissez quand ça suspend joint. La Calacou va faire grand commentaire, mais il y a la l'encontre du section 17 et 283 de la Constitution. Parce que vous finissez pour représenter. Et vous êtes mandat de l'électeur. Et vous ne pouvez pas agir d'une façon arbitraire. Le droit à la parole et à l'expression, c'est un droit fondamental. Vous n'êtes pas capable d'occulter sa droit. Et quand vous êtes au balance de sanctions propres, il est largement disproportionné et il protège les membres
du gouvernement n'est pas maître du gouvernement. Et il empêche la bonne marche de la démocratie. Et maintenant, si un parlementaire, bien sûr, est humain, bien sûr, exaspéré, on est capable, bien sûr, un peu osé, comme on s'est vu le mot bacha. Mais, tout réel humain, est-ce qu'il vaut mérite une réaction arbitraire? Et sinon, le Parlement, malheureusement, l'hypovite, c'est qu'il allait là, monter un monastère. Et il n'est pas correct. Mais si la population, le peuple, pas agir et réagir, mais là, vous définissez vos grandeurs. Aujourd'hui, le Parlement est souverain. Demain, c'est le judiciaire, le dernier rempart. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'il y a le Private Council, mais la décision du la Cour suprême, ou bien Parlement, le final. Alors, bien sûr, c'est le Private Council, qui est aujourd'hui. Dans Haïti, qui est un des pays les plus corrompus, aujourd'hui, ce bureau du DPP, il dit à ce Premier ministre, il ne faut pas bouger. Parce qu'il cause avec celui qui commet, avec, qui est impliqué dans l'assassinat du président. Dans Malta, Moscat, Mokonien, Mounzouen, Malta, Maurice, Nouenar Kokelot, Premier ministre, un devant jeune Premier ministre alors, Bélo Lamour, c'est un journaliste. Il perd l'élection. Alors, ce qui nous félicite, bien sûr, plateforme créée, nous devons continuer à sensibiliser, parce qu'à Maurice Louperon, dans ce qu'on appelle un climat de morosité. Malheureusement, et ça empiète sur le bon fonctionnement de la démocratie. Et là, tout le monde réagit, il y a des parlements qui étaient. C'est vrai aussi pour Cantan, l'ancien ministre, l'ancien membre du poste travailliste, il ne faut pas dire qu'il nous parle d'air. Par exemple, 23 ans, 24, il faut nous maîtriser les parlements projetés pendant 9 mois. Le rêve vient avec ce qui est arrivé en Angleterre. En Angleterre, quand Boris Johnson il avait de la reine, pour proroger le parlement, pourquoi pour un mois? Vous connaissez là-bas, j'étais là au London Council, j'étais là au Private Council, mais tout. La Cour nous dit, est-ce qu'il n'y a pas de misli? Alors, quand le Pécos qui parle, on trouve ici un speaker avec le concours du Premier ministre, tient une suspens, van débité et tient la vacuité. Heureusement, après la décision est renversée, et pour moi, l'avocat, c'est 1 plus 8. Bien sûr, qui l'option c'est mais le cas en cours, parce que pour moi, pour tous ceux qui ont l'expérience, l'expertise, pour tous vos camarades, l'enseignement fait avec Isdal et la Mitterrand, elle a une réflexion lors de la Constitution, c'est très bien. Mais comment qu'à l'enseignant, il dit l'homme veut-tu que ce soit représenté dans le People's Act, que ce soit une constitution. Zimbabwe n'a pas de constitution. Kenya n'a pas de constitution. Et quand on a fait contester une élection, Malawi, dans 6 mois, il finit guetter et il dit aussi pas élection faire ou bien injuste. Alors, dans cette optique-là, on appelle ce qui nous paraît un droit. Et là, le droit du silence. Nous devons agir, nous devons connaître qui le Parlement souverain, qui la séparation de pouvoir, ça la ligne des marques à il est clair et net. Et ce qui vous pensez beaucoup plus important, c'est que la population est avertie. Au fin de compte, la population réagit. Par exemple,
aujourd'hui, on dit au docteur Kassalali, les présents. Lorsque, quand ça vient, je ne paye pas, c'est la loïta. Missus et abus, hein, de ma procédure. Parce que nous voulons parler, Mme Rakhla, on va être victime un peu de sa circonstance. Hein? Alors, il dit, vous pouvez beaucoup d'entre nous, vous contrôler. Au fil où le peuple agit, le roi caché. Ben, la langue de cause environnement. Mais il finit ça parce qu'il voulait nous parler plus économie, plus style water, c'est important pour nous. Le secteur touriste représente 30% direct et indirect le poids qu'il a dans l'économie. Donc la démocratie pour le peuple, par le peuple, avec le peuple, il paraît au Parlement. Premier, ni dans pourquoi nous dire en bon terme créole, nous sentir là à travers nos tripes, mais nous pas capable, l'esprit reste vilain les bon. On fait toujours dire quand dans la conférence, dans Joël Van Piers, et bon, elle est toujours verreuse de Maurice comme un exemple de governance, de démocratie parlementaire et cité comme un exemple pour les autres pays. Aujourd'hui, que ce soit sur le plan financier, Rwanda, loin de nous. Sur le plan de la démocratie, beaucoup de pays d'Afrique, loin de nous. Donc, nous avons beaucoup pour rattraper. Surtout, qui fidèle, il tire, qui nous met sortir de la démocratie, nous perd vers l'autocratie. Merci. Merci, Nicolas. Et l'année dernière, nous avons fait une conversation ensemble avec Chakil Mohamed et Angus Lloyd. C'est-à-dire que ça débat-là, on rappelle, Chakil dit bien du premier long podium de suspension. On dépasse les autres. Donc avant qu'il nous passe le micro à Mougon Bassoumane, et on demande à Régis de passer aux prochaines questions. Donc, question numéro 2, concerne tout. Démocratie parlementaire, justement. Qui status de démocratie parlementaire? Donc, on a des réponses. Un camarade de la salle, je ne peux pas vous détailler, hein? Donc à la fin, nous pouvons avoir un résultat. Donc, qui status de démocratie parlementaire? Marie civilisée, option N, option D, Pacharanet. Donc, passe la prochaine vidéo qui pour compléter sa première séminaire et on vous propose soi-même pour faire ce point. Donc, une prochaine vidéo par rapport à l'actualité, en fait, il y a aussi une pétition électorale qui nous fait causer. Du coup, je pense, donc, je laisse, je passe la prochaine vidéo. Il fait qu'il y a 60 ans, il y a dans la fin de l'année. Les choses s'est développées. Au fond, c'est moi, une prochaine question, il faut baser toujours sa vidéo-là, il commence à être pension pour qu'un petit peu la tendance. Par rapport à la camarade de Kenneth qui se feeling, l'eau, ça s'appelle pension 13 500 là. Donc pension 13 500, est-ce qu'il y a une bribe électorale? Des réponses bien simples, oui ou non. Donc toi camarade de Kenneth, capable de voter, ou habitué de voter au maximum, mais bon, peut-être pas casser, hein, personne n'a pas voté, ça n'a pas voté. Donc ne pas parler, pénalement, personne n'a pas voté, puis n'a pas voté. Un camarade de la salle, vous posez la question à la salle par exemple. Au niveau de la salle, vous posez la question là. Pension 13 500, puis est-ce qu'il tient une bribe électorale en octobre 2017? Tout ce qui dit un non, lève la main. Tout ce qui dit un oui, c'est une bribe électorale. 99,9. Très bien. Un bouquin passe au ramène. On prend le micro. Donc, vous voulez vous faire un point par rapport à sa thématique aujourd'hui. Merci Dave. Et moi, je tiens à féliciter l'initiative de trois pour réunir le droit pour partir de sa débat, surtout à l'occasion du Journée internationale de la démocratie. Pourquoi nous avons eu l'occasion d'écouter ces bonnets de la politique mauricienne et surtout président, ancien président de la République, ancien speaker et aussi comme ministre, nous écoutons beaucoup de paroles de sagesse qui viennent dire et d'une causer beaucoup de conviction. Et pour penser ça, il est important que nous tous qui l'avons dit, nous réfléchissions qui nous, qui rôle nous est dans la dent,
qui nous propose démocratie du pays. Pourquoi tout en évidence que nous gagnons, il montre que la démocratie est en danger. Et pas si démocratie nous doulons, nous, mais une institution internationale, comme Arvin Tibédiat allait là, vous voyez mon travail à l'UNESCO pendant 12 ans, comme à autant dire, quand on dit à Maurice, de tout Ingetou, de tout moi apprécier au pays, Arvin comme moi, ministre des Affaires étrangères, discipline des moyens, ça va nous là, mais je vous dis que toute une institution peut downgrade nous. Il fait nous un dito extraordinaire. Nous avons combien de locaux qui sont de gagner un problème. Alors, moi, ce que je suis content de dire, Lola, dès le précédent, une cause de ce point-là. Pourquoi, dans le fond, nous inquiéter, est-ce que la population est sensibilisée, est-ce que la population a une éducation suffisante pour être capable de prendre une décision qui est important quand il concerne ce pays. Là, moi, je cite ça, pour moi, je cite une citation, Franklin Roosevelt dit, « Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. The real safeguard of democracy, therefore, is education. » Et nous connaissons aussi une autre citation qui dit, « Democracy when the people keep a government in check. » Nous n'écoutons pas Pavin Jagnat, c'est-à-dire là, quand il a annoncé 2500 après qu'il y ait nomination D, avant l'élection, et après une temps, après qu'il y a eu une cause après 2020, qu'il y a eu dire, ça, l'élection, il se fait promesse à l'époque-là, mais là, Covid, il vient, etc. Et mon plus choqué quand on écoute, moi, je rappelle ça la vidéo de mon camarade Steve Obigado, mais ce qu'il dit là-dedans lui-même, et ils ont dit, je ne dis rien des fois devant l'émission radio. Hein. Je me bien étonné, parce que nous dit bon, bon camarade, mais quand il prend une position pareille, et quand il explique un même sa trois députés là, pour toute la séance, toute la séance qu'il y a, toute la session du Parlement, il dit goûter, il se nous. Et quand il vient dire ce qu'il met dans le manifeste électoral, pas respecté après, il donne tout ça là, tout ce qu'il dit, Zodi, il peut faire des contraires. Et ça, pour moi, alors, pour penser, moi, ce qui est important, je vais revenir sur ce point-là parce que comment nous pouvons faire pour changer cette situation-là? Nous tous connaissons la situation, par contre. Nous tous connaissons la démocratie peut dégringoler. Nous avons un rapport qui nous donne, nous sommes un rapport international, un rapport bien objectif qui finit dire nous qui nous peut dégringoler, puis l'économie qui est unique. Il est videm institut sur ce côté média nous nous avons autocratisation of the autocratic country, nous devons descendre, nous pouvons avoir 10 pays qui peuvent venir dans cette direction là, et aussi quand nous avons les autres indices qui nous donnent côté média nous peut vraiment être un déclin bien stable au nous level de démocratie. Et là quand nous avons beaucoup de gens qui ont battu entouré maintenant le nous pays. Tout ça fier technicien là pour nos pays, ils ont dit que nous devons être battus partout. Vous trouvez là, pour Covid, je vais dire ça parce que si le gouvernement tu connais, pratique la démocratie, quand le groupe, un groupe de parlementaires d'opposition, tu viens dire au gouvernement, Covid, ça fait bien sérieux ça, il concerne nous tout. Nous faisons un débat dans le parlement, nous guettons qui nous capables de faire ensemble. Le gouvernement nous refuse. Ils ont dit que Paris nous là, je ne fais la tête, je ne fais arrogance, et ce que je ne fais avec ce soi-disant pouvoir majorité d'un parlement, ben habit que je ne fais, ben scandale, ben corruption qui nous connaît par rapport à Covid, mais ça est vraiment choquant et révoltant, parce qu'il ne faut pas faire ça la maladie, ou pas faire ça la misère, ben dimoun, prendre l'argent, gaspiller l'argent public, fraude, et pas donner compte, et tout ça, d'une façon que je peux couvrir à lui, et plusieurs autres points que mon camarade dit, montrer comment je peux bafouer la démocratie, comment je ne peux pas accounter pour du tout. Et là, dans la loi, mais je ne contourne tout parce que je ne appuie tout. Tout le monde est institution qui nous connaît là-bas aujourd'hui, les politiser. Pas capable, pas capable de faire, non. Ils donnent instruction et je contrôle tout. Alors, pour moi, donc, question fondamentale, c'est qui nous sommes capables de faire, nous, la population, qui nous sommes capables de faire. Vous pensez que nous avons un devoir sacré pour faire.
bien souvent, on prend une position, on prend une position, moi, pour vous dire, même Zodi, comme président Global Rainbow Foundation, on fait beaucoup de travail sur le terrain. Zodi, Olivier Bancourt, groupe Sagossien, posément, il a été 3 jours, il a 4 dimoun, un centenaire, un 92 ans, des 80 à l'année, ça 4 dimoun là, dans une situation précaire, ce fait bizarre coup de main, c'est un handicap là-dedans, bizarre coup de main, pas bégayer aucun coup de main. Je n'ai pas de roulant pour ne gagner, je n'ai pas de medical bed pour ne gagner ce centenaire là, etc. etc. Qui veut dire, beaucoup de ministres qui travaillent aujourd'hui m'ont besoin de dire, vous êtes coupé avec les réalités. Je ne sais pas si vous avez passé le terrain, combien de jours vous pouvez suivre. Moi, on a interpellé par ça, parce que nous avons une situation par rapport à ça, quoi, pour faire progrès, l'eau, souveraineté, etc. Mais qui nous peut faire avec ce bandit-là? Qui nous peut faire avec un centenaire qui l'a oublié, mon guetri, pour vraiment bouleverser quand on a cette situation, qui l'a oublié, qui peut souffrir. Libéraux d'un médical bête depuis combien d'années et ils ne peuvent pas gagner. Quand Olivier Niamassa a été 3 jours, on a envoyé l'équipe médicale à sur place et ils ont dit, moi, on allait pour l'équipe, nous allons remettre tout ce qu'ils ont demandé. On a une capacité de faire raise même, c'est d'un jeu, mais c'est un travail qui est important à faire. Les rames pour trouver, moi, je peux. Le cas pour grand, on connaît le sacoche, mais qui te peut faire par le sacoche qui est à Maurice? Et qui peut souffrir de conditions de travail, de conditions de la vie, etc. Alors vous pensez, c'est une affaire qui est importante, et je vais faire même avec Agalega, hein? Un petit fille qui a 6 crédits, il s'est appris à Agalega, mais il n'a pas appris à Maurice et Agalega. L'île Maurice en mars, OIDC, si peut-être de l'histoire à la Wens pendant l'île Maurice, il n'est pas venu à la Wens du tout. Quand il intervenait avec pression, les là, Zodi, ils ont donné le pays, puis soit à la moindre 8 mois, se passer. Alors, on peut dire ça pour nous réaliser que nous avons un devoir, nous, chaque citoyen dans le pays. Nous ne sommes pas capables de faire cette situation-là comme ça et nous ne pas agir. Comment nous pouvons agir? Et là, il y a une responsabilité dans le parti politique. Nous ne sommes pas causés après l'élection, mais pendant que nous allons vers une élection, nous manifestons électoral bien solide. Nous bien capables de prendre un engagement solennel. Mais aussi, vous avez dit la vérité qui nous dit à manifester électoral et puis nous ne pas suivre. Moi, je suis un cas qui m'a fait la guerre depuis presque 2 ans. Hein, pour la loi pour les handicapés. Pour les personnes en situation de handicap. 2014, dans la manifestation électorale, le gouvernement vient dire qu'il faut amener la loi contre discrimination contre les personnes en situation de handicap. Et dans le programme discours programme 2015, on va me dire ça pour le temps, 2015. Dans le discours programme 2015, il vient dire qu'il nous promène la loi et deuxièmement, nous promène la constitution section 3 et section 16 pour qu'il paie la discrimination contre le niveau de handicap. Et ça manifeste électoral là, pas de réponse. Ministre 7 bananes pour répondre au Parlement. Mobévini, il y a 2018-2019, là, il trouve un autre prétexte en cours là, il peut encore travailler là. Alors, pour moi, ça manifeste électoral qui m'a le parti politique présenté. Pourquoi je suis bien capable, et la population aussi bien qu'à surveiller ça, je suis bien capable, dans ce manifeste électoral, il bien manifester, pas sortir la veille élection, il bien manifester électoral sortir bien à l'avance, et la population prend connaissance de ça, bien l'occasion de notre opinion discuter. Et là, un gouvernement responsable vini, ils sont capables de mettre ça en pratique. Mais là, qu'ils ont fait de choisir une mesure qui populaire, populiste, juste pour gagner vote, gagner popularité, et va dire pourtant, Right to Information Act. Un pays comme l'un est là en TI. Ils ont besoin de mettre dans le manifeste électoral, ce qu'ils ont dit, pas nous présenter aucun projet de loi. Alors, tout ça, pour penser que la population, nous sommes capables de rester vigilants et nous sommes capables de réagir aussi et faire nous mal députés comprendre ce qu'ils peuvent faire par nous. Mais malheureusement, on connaît bien qu'avec Money Politics, il y a beaucoup d'influence qui joue. On a un peu de gens qui peuvent dire qu'on gagne double la paix, que c'est double. Vous pensez que vous doublez la fin de l'année, vous gagnez un bonus, pas combien. Il y a un peu de raisonnement,
Mais je ne peux pas réaliser qui peut arriver aux bons enfants. Parce que là, ce mal est plein. Et l'avenir des enfants menacé. Et le gouvernement qui vient au pouvoir, donc c'est tout ça l'exemple. Je ne peux pas finir avant aussi mauvais qu'il finit là cette fois-là. Hein. Ce gouvernement actuel-là, vraiment, sa premier ministre actuel-là, façon de Béazir, et parce que mon président ministre suit même l'exemple, pouvoir, de la pouvoir absolu, de penser, et de majorité d'un parlement, et vraiment, c'est un droit quand, hein. C'est un droit quand, pourquoi tu fais plus pire que ça. Et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait d'un parlement, est vraiment inacceptable. Alors, moi, pourquoi, qui est important, donc, qui nous a à faire, nous ne pouvons pas rester insensibles. Si nous ne faisons pas rien, nous si nous coupables. Si nous pas la guerre contre Savannah, justice qui est là, si nous pas la guerre pour empêcher le pays de dégringoler le plan de démocratie, demain, nous pays pour un pays, un dictature ou quoi, et nous fédérer, nous, vis-à-vis d'une bonne génération à venir, nous pas que le pays tombe dans sa catégorie. Alors, vous pensez, moi, il y a beaucoup d'indices qui nous font, qui nous disent, et l'international paye de nous. Là, nous connaissons qui les autres points noirs dans le pays, hein, avec Gafi, avec tout le monde affaires qui est là. Là, vous trouvez l'Amérique, nous avons Covid, si vous avez un gouvernement qui s'y allie, hein, c'est un grave terrible ça. Si quand tu arrives à ce problème-là, quand tu réunis l'opposition, tu as une autre idée. Nous faisons un travail ensemble. Non, l'arrogance, pas bizarre personne, nous-mêmes nous pouvons faire. Nous allons faire ça pour prendre la peine de contrôler les autres qui se font, qui ne pas faire. Et si tu fais ça, je vous dis, une solidarité nationale, nous sommes capables d'empêcher ce qui arrive nous autres. Covid, bien grave, hein, nous pouvons réaliser le tout, le nombre de décès. MBC, tantôt, quand on avait le comité ministériel annoncé, 5 mots, 3 mots, c'est tout. Nous autres, c'est simple, tu les ouvres dans ton mot, ils disent simple, temps contaminé, ils n'ont pas vraiment un sentiment pour ça. Ils ont un sens d'humanisme dans eux. Vous avez réalisé qu'il nous peut arriver à ce pays-là. Je vous dis, l'Amérique, India, nous sommes le plus dangereux pays de visite. Vous réalisez où? C'est un petit peu gagné là, quand vous êtes ouvert le 1er octobre. La France, le monde, il peut bien l'Arctique, l'homme Maurice, sur la situation Covid. Mais vous comment un tourisme, il Maurice, c'est ça? Qu'ils ont fait, ils ont laissé la situation empirer par cette propre arrogance, par ce manque de l'esprit de dialogue, pour pouvoir rassembler la population. Pourquoi il y a aussi vraiment un gouvernement responsable. Ce qu'on responsabilise la population, je vais te montrer l'exemple d'eux-mêmes. Je vais te venir de la population, quelle situation qui nous était là, nous pour réduire nous dans la pays. Nous pour donner une bonne chose symbolique, nous montrer qu'il nous va être des affaires, et nous pour contrôler le budget, nous pas pour faire un excès, nous pas pour faire grand métro pour aller partout en Timorice. Pourquoi il faut mettre le métro dans Moka aussi, là, dans Saint-Pierre? Alors, tout ça, cette affaire-là, est-ce qu'il est priorité dans un moment comme ça? On est combien de gens pauvres dans un pays-là, c'est-à-dire? Combien de gens qui sont appauvris? Même qui l'ont terrain connaît, combien de gens peuvent souffrir? Nous-mêmes, nous avons distribué 2000 footpacks à travers Maurice, pas de gens qui vraiment dans peur. Finalement, nous avons décidé, maintenant, tous les mois, nous avons de nos moins 150, une famille handicapée et qui vraiment dans problème, dans notre footpack tous les mois. Alors, on peut dire ça? Gouvernement là, dans sa façon qu'il fonctionnait et façon l'arrogance qu'il fait, mais cool nous pays. Nous pas capables de rester tranquilles, nous. Si nous restons tranquilles, nous vous complices, nous sommes capables de lever la tête, dire bonnes affaires, mais nous sommes capables d'interpeller bonnes députés dans cette circonscription. La population, pourquoi il est important qu'il fasse une sensibilisation et éduque la population qu'il nous aide bien, côté pays là, qui aller et côté pays aller, et nous pas capables, et dans sa droit, on va dire, laisser aller comment il aller. On va avoir du long qui s'en, on va nous n'écoute pas les autres interventions. Mais moi, on revient donc fondamentalement, Dave, ce que vous pensez. Le jour que chaque Mauricien prend ses responsabilités, right, il dit « enough is enough », et il commence à mobiliser. Mais ça aussi, nous connaissons quoi de faire, de faire une situation de terreur, de frayeur. Right, quand on bousait là, notre ville, la police ramasse sous briques, etc. Ramasse la laine, on ramasse qui. Quand on fait Rama Malaïda, on a fait bien ça. Et il y a plusieurs, pas aussi tout le monde, non, mais ils ont osé faire des affaires comme ça. Et après, ils ont backpedal. Alors, ça fait un parlement là qui est extrêmement grave. C'est aussi ça qui est autour de l'association maintenant, ancien parlementaire. Nous ne sommes pas capables de rester tranquilles quand ça arrive.
nous faisons la situation maintenant aussi à parlementaire, nous avons 40 dans nous, et là, nous n'écrivons pas l'organisation. CPA, comme on se parle de la société, nous répondons nous, officiellement, et pour dire qu'ils nous avons posé pour action, I would like to provide you with my assurance that going forward we will closely follow the situation. I will also bring this matter to the attention of the CPA's acting chairperson and the chairperson of the CPA Africa region, speaker of the National Assembly of Kenya. Considérez-vous le temps de permettre maintenant, IPU nous répond nous pour dire qu'ils ont suivi cette situation là. About the situation of several members of the National Assembly of European Congresses, and we'll review it accordingly. Mais nous, depuis le soir, on voit là où je ne peux pas parler aux autres parlement, on ne peut pas faire prémisse là qu'on voit, on ne peut pas faire expliquer là qu'on voit. Là, on pensait que dans une organisation internationale comme ça, vous êtes capable d'intervenir, use a good office. Donc, je peux peut-être autorité de Maurice Saint-Clair, mais vous pouvez use a good office pour dire maintenant arrêtez. Si vous pouvez faire là, vous pouvez dégringoler dans cette situation. Voilà, bien Maurice. Merci à Bougam. Et je vous rappelle que Bougam Bossoramène, tu es ministre de l'Éducation pendant de très longues années. Vous dites vous par rapport à la situation Covid qui vous fait poser à Bougam Bossoramène. Effectivement, l'opposition qui demande une consultation les comités, si on va dire. Mais un sujet extrêmement grave, c'est que quasiment tout secteur est impacté avec ça. Donc, qu'il y ait l'économie, qu'il y ait la santé, qu'il y ait l'éducation. L'éducation pour Blitor, l'impact de l'éducation, vers encore, mais nous aussi, je comprends qu'ils sont conseillers et ils sont complices si je ne pas revendique ce droit. Parce qu'ils ne sont pas connus qu'ils n'ont pas coûté dans des zones de prison dans 5 ans par rapport à ce jeune dans l'éducation. Mais il y a pourtant qu'ils nous demandent, la société civile, les partis politiques de tout bord, ils ont travaillé ensemble de manière posée. Pour gagner un impact assessment de Covid multisectoriel. Parce que là, c'est le pays carrément qui peut rendre dans sa précipice. L'année dernière, comment nous dire, nous sommes au bord du gouffre, mais ça l'a dit, il peut vraiment être un temps avant. Avant qu'il nous passe. Oui, vas-y. Donc, vous prenez le 19 mars 2020, il y a sorti Mme Jarnac et votre pays, le Premier ministre. Ferme frontière à l'Europe. Je serai vraiment devant le jeudi, ma cause en lit, et la voir, je crois que c'est un peu le temps. Et moi j'ai dit de bonne foi, parce que, on peut dire, tout est causé pandémie, qui a échoué en sortant toutes les barrières, moi j'ai dit, mettez un comité, appelle un ancien premier ministre, l'opposition, secteur privé, tout le monde syndicaliste, nous faire lire un forum national. Parce que le issue, c'est pandémie, avec des conséquences. Malheureusement, le Premier ministre, il n'y a pas qu'à parler avec lui, c'est pas qu'à parler avec Grec, et il rend ça, il agit d'une façon que il finit dans sa prérogative du Grec. Et c'est malheureux. Là, que parce que tout à l'heure, vous avez des standing orders. Parce qu'au-delà du public accounts committee, il y a plein de comités pour étudier comment on a le House of Commons, pour étudier le terme qu'on appelle transversal, il y a top 26 pays. Tout ça, le terme transversal, il y a étudié bien au niveau de la comité, que ce soit un projet de loi. Après ça, il y a une discussion et un débat interminable au Parlement. Mais c'est vraiment un travail fait en profondeur et avec un output et un outcome positif. Et aussi, me dire quand nous disons, on va nous dire avec ce qu'on appelle program-based budgeting. Malheureusement, ça aussi, il a déjà une réunion avec l'Anne-Flan, peut-être, parce que quand même, la transparence, la bonne gouvernance est très importante. Aussi, il y a plein de questions de mon camarade qui est présent actuellement. Donc, vous pouvez poser une question, je vous donne l'occasion immédiatement. Là, nous passons une dernière vidéo et une dernière question qui vous venez juste après. Donc, une dernière vidéo qui concerne Singapour, que souvent nous cause Maurice de copier Singapour ou tout le monde ici. Nous passons à la question numéro 4 et immédiatement. Demande un camarade de l'audience comment prendre place pour cette question. Donc, dernière question
Un mot comme pas sur Amène, il fait dire que probablement c'est le pire gouvernement qui vient de gagner. La question là, il n'est pas trop loin. Qui est pire premier ministre Maurice Ingaïe d'Arbezou? Donc, Lorwen, SSA, c'est la Sousaka Bangoula. Numéro 2, c'est la Niro Tchaka, Satch. Numéro 3, Navin. Numéro 4, Vavin. Faut pas qu'on mette 5 là-dedans, même si Paul de Montbéranger est aussi premier ministre pendant 2 ans, c'est que Facebook limite nous à 4. Donc c'est pas de ma faute, on va aller même désolé, mais qu'il soit du bon même qu'il 4. Donc c'était la 4 choix. Donc Xana pose une question en premier pour la partie séance interactive. Donc peut-être peut demander à chaque personne présente en 10 secondes et moins qu'il y a une minute, pose une question, fais un point. Soyez bref parce qu'il n'y a pas venir plusieurs dans cette pose question. Et aussi à qui je vais adresser cette question. Merci. Bonjour Dave, donc José Moir, avocat de profession. J'ai une question adressée directement au docteur Ravid Boulel pour rebondir sur sa vidéo qui nous fait quitter à Singapour. La question est tout autour de section 39 de nos constitutions, c'est-à-dire l'Electoral Boundaries Commission, qui bien souvent nous parcourt dans notre démocratie. Et vous pensez aujourd'hui, c'est un sujet capital parce que, d'après moi, c'est la source de beaucoup de problèmes qui gagnent dans nos démocraties. Donc la question, il y a deux volets, on va voir long là-dessus, adressé au docteur Harvey Boulel. Premièrement, est-ce que vous pensez que il arrive l'air, sa découpage électorale qui nous gagnait depuis 1966 là, est-ce que c'est pas long overdue qui revoit sa question de découpage électorale là, premièrement? Et deuxièmement, deuxième volet de la question, depuis novembre 2020, l'Electoral Boundaries Commission dépose son rapport sur la table de l'Assemblée nationale. Qui fait et n'a un silence autour de sa question-là. Et aujourd'hui, en 2021, parfois, il y a une question adressée au Premier ministre. Qu'est-ce que vous faites avec le dernier rapport qui est dormi dans l'Assemblée nationale? À vous, Henri Boulet. Monsieur Moa, un bien fait l'exercice principal. D'ailleurs, hein. Comme toujours, pour venir de section 39, c'est vrai, il est 10 ans de soumettre le rapport et il passe face à nous, avec un goal, pour prendre la question posée par l'envers. Ça se tend de nous devons faire face avec certains termes. De la retour, ancien Premier ministre Singapour, il y a de l'affaire aux intelligents et les minorités de l'intelligent. Maurice, c'est un pays, il faut des larmes les gens qui ont faire un pays. À ne pas faire des réels. Depuis 68, il y a même changement démocratique. Et je voulais nous parler, on trouve un premier ministre que si la constitution 4 à 14, il faut réfléchir et demander si le premier ministre représente la nation. Parce que la loi de la demande de manière existe 30 à 35% pour faire un gouvernement. C'est une question. En profondeur, qui demande beaucoup de réflexion. Moi, me dire oui, qui disait revoir le microbar de l'exposition, pour que ce correction, malheureusement, vous capable d'accepter ou bien fêter pour diviser et un consensus absolu.
Est-ce qu'il est là qui me revient encore dans la question fondamentale, est-ce qu'il est la constitution telle qu'elle demande un rôle? Mais si nous persistons et nous signer avec le système de l'école boundaries tel quel, il parle à l'encontre même de ce qu'est là notre constitution pour une bonne justice et souveraineté démocratique. Rappelle bien 91, quand il y a un amendement soit disant qu'il n'y a plus de pouvoir au président, qui croit, notamment à la fin, vous savez, il veut 6 mois, si vous voulez ça, c'est et l'indifférence en fonction réelle. Pas qu'il n'y a aucun pouvoir additionnel qui t'y donnait de l'article de Paul, de Constitution, de dissolution par le Parlement, le président, certainement capable de dire par oui, non. Hein, mais ce qu'il pensait, il grave, un peu celui qui commande la majorité, etc. Un peu le métier, va merci, etc. Mais, bon d'accord, question fondamentale, en train d'appeler, nous parler de ce qui les Maurice pas contient sur ça. Voilà. Et qui disait, il y a un découpage, il y a un reflet de. Système démographique tel quel et de la population. C'est un bombe à retardement, une demande diffuse, parce qu'à la longue, vous créez beaucoup de choses. Merci, Rigoulet. Allez-y. On fait une intervention très courte, parce qu'on peut bien l'impression qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Camarades, avec vos questions. Par autant, M. Alain Dubo, nous a. Découpage électoral. Bon, et nous devons comprendre ça. Nous devons poser, nous ne pouvons pas passer la chose par la liste, mais à cause de la vie. La Constitution prévoit, il y a un rider là-dedans pour les amendements qui vont critères qui les Electoral Boundaries Commission vient suivre. Pour être capable d'amener un changement sur le plan militaire. Et ça, ils diront, et pour une section 39.3. The report of the Electoral Boundaries Commission shall make recommendations for any alteration to the boundaries of the Constitution as appear to the Commission to be required, so that the number of inhabitants of each constituency is as nearly as equal. And is reasonably practicable to the population quota. Il fait beaucoup de choses, il faut aller au fil de c'est bien sûr. Et il dit, provided that the number of inhabitants of a constituency may be greater or less than the population quota, in order to take account of means of communication, geographical features, density of population, and the boundaries of administrative areas. On prend trois exemples. Constitution, c'est la constitution numéro 15. Les balisages, c'est la constitution numéro 14. Quand il y a une concentration de la population. Les basés, c'est la constitution numéro 18, qui est à peu près et dans la même quantité des électeurs à peu près. Et on a la constitution numéro 5, qui est une population comparée que je constitue, c'est la constitution pour moi, vous pensez, qui tant qu'il s'appelle là, et que la loi Diaou, constitution Diaou, quand un rapport commission électorale boundaries commission est déposé, le gouvernement en place capable de révéler le rapport. Ça veut dire que sa partie politique qui est au pouvoir là, il faut guetter si ça va boundaries dans sa faveur ou pas dans sa faveur. Est-ce qu'il nous va bien sans la constitution, nommer une commission constitutionnelle, pour guetter si pas besoin on manque le nombre de constitutions, pour qu'il n'y ait pas un portage sur la population-là correctement dans sa exercice. Il ne faut pas qu'il nous politise ça. Il faut qu'il nous assise avec la tête tranquille et que la paix avec tranquillité pour faire le travail. Merci. Donc, de circonscription, bien sûr. Donc, prochain intervenant, très bref, très court, et nous fait aussi une réponse courte, comme ça il vous plaît pratique. Donc on demande l'argent, faire ce local qu'il demande vote pour lui présenter
si ça fait. Merci. Merci, Dave. Bon. Donc, une petite question, donc, Narsingen, Rajen, l'eau académique de l'université. Et au cours de nos brainstorming dans le groupe, et un de mes constats, on va d'abord tout problème qui nous est là, qui nous démocratie peut faire face, une remarque qui est une dérive qui n'arrivait depuis très très longtemps, mais aujourd'hui, il arrive à se sommet. C'est le premier ministre de Maurice, il vient de ce qu'on appelle Christian Elected Monarch. Et pourtant, section 28, 1B de la Constitution, donne certains pouvoirs au président de la République, que sa section 28, 1B là, vient dire que le président Charles, ou bien maintenant on parle de mot Charles, d'ailleurs l'ancien président aussi un avoué de profession, donc Charles uphold and defend the Constitution and ensure the institutions of democracy and rule of law are protected. Over and above this, and also the schedule of our constitution, qui vient répéter plus ou moins la même chose. Et malheureusement, et là, certains présidents, essayent, peut-être que nous venons aussi qu'il y a des meetings chaque semaine entre le président et le premier ministre, et qui nous vise à faire, pour aujourd'hui, le président et comment dire, abdique devant ses responsabilités, et l'ancien président aussi, d'après moi, mon analyse est très personnelle, qui parfois se prend le rôle de vraiment defend the constitution, uphold the rule of law. Merci. La question est adressée, bien sûr, à M. Kailash Pandya, l'ancien président. Merci. Oui, bon, c'est une très, très bonne question. Et nous avons entamé dans l'histoire. Vous connaissez, quand le Canada est indépendant, vous dites qu'elle est là, tu donnes le pouvoir discrétionnaire, le gouverneur général et après. Mais quand nous sommes dans l'esprit de la Constitution, nous venons poser la question. D'ailleurs, vous avez dit un encore une fois, vous faites référence à l'expérience de 60 Camboulel depuis 1953 jusqu'à 1995 dans Politica. Dans ce livre, on told stories. De dire que le premier ministre, avant de choisir le gouverneur général, nous avons assuré ce tout le monde. Nous avons carrément, nous avons fait un débat ouvert. Et après, le président Pini a eu le pouvoir. En 1900-2005, quand il y a la crise, vous êtes dans une crise entre le premier ministre et le président. Quand le président qui révise non dans Public Service Commission, ben non qui est suggéré par le premier ministre, et le sinon son propre du monde, le juge, le fait juge Robert Hanid a une interview qui est donnée dans le week-end du 31 juillet 2005, il dit que c'est une crise constitutionnelle. Il pose la question, est-ce qu'il qui valait qui est là quand la Constitution dit the president shall act under after consultation with the prime minister or the leader of the opposition. Qui ça valait là? Il y a un jugement qu'il rendit par le Privy Council en 1965 dans l'affaire du Municipal Corporation of Port Peace versus l'Attorney General. Qui peut Privy Council dire that that consultation must be not but be taken personally and not à la légère. Et il pose la question. Il dit comme ça, sans nos consultations là, ils sont définis par une full bench de la Cour suprême. Car aujourd'hui, nous ne pouvons faire aucun question et nous ne pouvons faire aucun jugement de la Cour suprême. Donc, ce qu'il voulait dire, alors, sa section 28 là, les bons pays, le monsieur Narsingen, il soulève la question. Mais à nous, il débat, il ne passe après, d'abord. Moi, il y a un débat là. Le débat, surtout le discours de
du ancien député Madame Dalou. Il dit où ça va d'accord, on n'a pas bon ennuyé. Mais qui met la constitution, mais qui mécanisme il crée pour qu'il président agir en fonction de son amendement là. Les idées à sa section 28, sous section 2, qui dit donc pouvoir, soi-disant pouvoir le président, had been badly drafted, which had no meaning. Et aujourd'hui, vous pensez que oui, nous devons revoir, approfondir la démocratie, la première chose que nous devons faire, c'est un président élu, soit par une totale la part suffrage universelle, ou par une collégialité, pour qu'il gagne sa légitimité et sorte de sa soupe. Ça a tout qu'il y ait aujourd'hui. Merci. Moi, je pense ce qui l'ancien président dit. Vous voyez, il y a aussi fait une ligne de l'opposition, comme seul pays jeune, par exemple, Pita, avant de nommer, le premier ministre n'est pas comme seul pays jeune et leader de l'opposition. Au téléphone, le premier ministre, il y a vraiment si ça l'est. Il finit nommé. Il dit, c'est inconsultable. Ok, et nous tire son attention, là. Et un petit sourire, un peu sur la visite qui est dans la dent, mais il savait quand il est là, consultant sur moi. C'est vrai, l'ancien président a raison pour dire, est-ce qu'il nous a un système tel quel? Le premier ministre, il se fait sa main de vote, mais le président, littéralement, va lui dire, il met la salle tout que vous voulez, il ne peut pas le caractère. Et c'est ça, le président. Mais je vous reviens le point fondamental, vous pensez, toute une réflexion qu'on peut faire, qui est bien intéressant. Il y a une richesse avec nos anciens présidents de la République, sous connaissance de tout savoir ce qui est suivant, avec son background lui-même. Mais vous pensez, moi, ce qui est important pour moi, là, vous allez voir le parti de l'opposition. Si le gouvernement ne peut pas expecter le premier avancement qui peut nous causer là, vous n'avez pas d'autre intérêt à faire ce mandat là. Mais si l'opposition, capable au moins de ce même point-là, gain consensus, de t'assister ensemble, profite de l'expérience qui, M. Kailas Paya qui est pour les autres dimons qui sont là, les juristes qui sont là, les autres personnalités, il y a beaucoup de monde qui se permet de faire un travail de constitution, etc., pour les appuis là, qui travaillent là. Pourquoi si l'opposition est capable de faire une consultation et propose à la population dès maintenant, qui verra nous, si nous voulons le pouvoir, voilà le sens qu'on ne peut pas apporter. Et je canvasse ça maximum pour que je ne puisse pas gagner du monde comprendre qu'il nous coûte différent. Parce que si nous causons et nous ne présentons pas de n'en ça sera pour une pareille après l'élection. Si nous ne faisons pas lire dans le manifeste électoral, et qu'il y a l'espoir qui, quand même, nous bonnose à sa promesse-là, jamais, par un ensemble-là, l'année venir, l'année aller, nous pourrons être pareil. Et moi, par exemple, vous pensez, moi, une bande avec plusieurs qui vont nous dire, qui est important, si nous limitons le Premier ministre des mandats, ça y a un signal pour bien bien faux, pour un peste beaucoup banal. Un pays comme l'Amérique, elle a dit des mandats pour ce président 4 ans 4. Alors nous, Maurice, ne faisons pas croire à la mine. Ce qui est président indien, c'est président indien aussi, l'élection président, où il y a une légitimité, tout ce même point-là, si nous avons travaillé, et l'opposition a un consensus là, en zone, qui se pour faire alliance après, ça doit décider des autres. Mais au moins là, de faire un consensus, réunir tout le monde qui a l'expérience qu'il a, capable de fournir une information, donner une bonne information là, et préparer un nouveau, une recommandation pour une nouvelle constitution pour renforcer la démocratie. Pas pour les autres raisons. Là, vous comprenez l'unanimité, et il est là, à partir de là, canvasse-lui. Vous pensez ça pour un point fort pour l'opposition. Parce qu'il n'est que causé, n'est que critiqué, ne va pas faire pas bon an pour arriver après. Laissez-vous prendre ça l'engagement là et faire une sensibilisation nationale. Nous avons besoin de côté de jeunes aussi. Parce que quand l'élection vient, nous connaissons comment ça boulever, tout vient en bas là-haut. Comme on dit obligatoire, nous dire tout vient en bas là-haut. Mais vous pensez, nous, ça travail sérieux là, il pourrait être pourtant, vous savez, on vient d'accord avec moi là, il se trouve une formule. Assiser nous mettre objectivement qui faille là, dans nos constitutions, devant les autres là, la façon de faire, dans le rôle du Premier ministre, etc. Et tombe d'accord le banc grand nuit et incluer les autres manifestations électorales, mon quoi est crédible et la population est capable mieux éclairée et prendre des décisions qui nous apprend au moment où.
Merci, Rogan Bazoarin. Donc, on fait le prochain intervenant. Et me rappeler, hein, donc, au niveau plateforme Point Maurice, donc, il y a une équipe qui peut travailler aussi dans la démocratie et ben, éventuel changement constitutionnel. Donc, comme on redit encore une fois, c'est une plateforme, on ne peut pas dire apolitique, mais une plateforme de la société civile. OK? Il y a un camarade de Toubo qui est présent ici. Donc, nous vous souhaitons une fois par mois. Et n'importe qui camarade qui peut suivre la live là, si vous êtes intéressé, participez, prenez contact avec moi, ou Rachna, ou Rachel, ou n'importe qui, et participez. Et dès que vous serez, mon point, c'est qui, une partie de l'opposition, si vous êtes capable d'être une bombe là-dedans, vous êtes comme une fourmi. En fait, de la réalité. Pour moi, parce qu'il y a un peu de parler, l'autre peut parler, il n'est pas suffisant. Pas pour ça, support qui faisait là. Pour ça, la population de l'Ossaman d'affaires là. C'est une campagne nationale sensibilisée, les gens prennent un poids. Tout à fait. Il y a un parti politique invité à participer aussi. Hein. Donc, pour les prochaines séances, pour le 16 octobre à confirmer, donc n'importe qui, bah, différents partis politiques qui ont envie de participer. Okay. D'accord, attends, mais peut-être même parti politique là. De participer. Vous êtes prendre l'initiative, je dis, vous êtes venu vers une société civile. Le travail assisé qui est ensemble. Le travail qu'ils avaient ensemble. Voilà. Merci. Le prochain. Bonsoir à tous. Alex Fabadji et Mohamed Partir. Ma question ce soir est adressée à l'honorable Aurine Boulel et aussi un peu à tous les vétérans du Parlement. Je serai derrière ici. Nous tirons du côté en tant qu'Alexandre. What is your political dream, parce qu'on est allé, on est venu, je flamme, je t'ai gagné une bonne opportunité pour amener un bon changement qui nous fait discuter aujourd'hui, nous pourrons discuter, nous pourrons aller même, pas oublier que la dernière fois qu'il nous a passé le produit, nous t'y mosses. Bon, l'équipe nous dit, on a besoin de marcher, nous pourrons dire, mais tu mosses pour dire nous autres. Et l'étonne de Béguité, ça m'a mis bien, les bébés. Et je me rappelle la dernière fois, M. Ramboli, je vais dire une chose qui est assez intéressante. Quand est-ce qu'il y a gagné, hein, ou capable d'être premier ministre, quand est-ce que ben, les autres du monde, parce que nous pas oublier, même si vous pouvez me dire moi qui dis vous n'avez pas votre moi, mais quand sa qualité de lobby qui est là, pendant la campagne électorale ou à vote X, que ce soit au niveau communal, que ce soit payé, nous tout connaissons la réalité, nous n'avons pas besoin de cacher. Mais tout ce qui peut discuter aujourd'hui, nous l'avons une plateforme, ou qu'on peut faire une manifestation en lieu au Parlement, mais qui peut dire, tiens, Pravin, maintenant, tiens, Pravin, maintenant, moi-même qui tiens à 25 ans d'opportunité dans politique, aujourd'hui, vous pouvez dire, remettez-moi encore un coup. À ce que je peux trouver. Mais nous avons envie de connaître qui est l'ultimate goal, qui est l'envie venu. Vous connaissez M. Boulel, beaucoup de nous à l'époque, avec mon grand tonton. Tu peux mettre l'arqué au bizarre après le vote dans le numéro 11. Venez, venez au travail. Téléphonez, je ne sais pas, le bureau du monde, le bureau du monde. Le gouvernement n'est pas capable de faire rien. Tout ça, tu as tous les jours, vous venez avec l'espoir, vous pouvez mettre l'arqué. Si Boulel, il donne X travail, il a un pion, il a 6 000 roupies. Monsieur Robin Boulet, vous pouvez gagner 200 000 roupies la paix. Il est satisfait, il vous vient de votre tour. Navin Ramboulam, tu promets transcographie, vieille du monde, étudiant. Si aujourd'hui nous sommes condamnés par une jagna de brave électoral, pas oublier que tous les partis politiques qui me font parler une minute. Même parti malin, tu promets qu'il vous donne une tablette, après pas même pour cacher l'idée. Mais qui nous permet de différent? Est-ce qu'on dit? Ah, oui, oui. Oui, tu le dis avec moi, je dis mon cœur. Bon, tu m'en sais, ça m'a dit, ce film va pas dire. Donc, pour comprendre la question, c'est un peu des choses sorties avec l'électrique. Heureusement, l'électorat est roi dans le sens qui décide de lui voter. C'est vrai aussi, il y a une mercantilisation des élections. Ce n'est pas l'élection 58, ce n'est pas l'élection avant l'indépendance. Le
pas fait chiffrer la portion de blâme, mais on peut dire que RSM mercantilise la politique. Tout en disant cela, le grand rêve de tout un chacun, c'est qu'il fausse une véritable société qui n'a pas pareil utopie, mais nous aide un idéal, c'est qu'il quand même aspire à faire une véritable risque incorporée. Et ça, vous allez là dire qu'il faisait une affaire de présentation simplement pour faire. Parfois, nous avons demandé une question aussi. Et si on voulait être trop école, on défie l'objectif d'une société multiraciale, multiethnique. Et là, parfois, là, vous avez la raison, mais est-ce que ça crée un problème? Est-ce qu'il est là dans le sens de faire représenter les jeunes avec un système électoral tel quel? Et pourtant, de la Equal Opportunities Commission, de la Human Rights Commission, de l'ENA, Police Complaints. Mais, nous avons aussi quoi dans ça? Nous avons survivé, struggle, et nous avons une expectation pour dire qu'il y a un wildest dreams, mais nous avons créé ça avec. Et rêve à faire avec le dinosaure, la jeunesse, qui parfois un désarroi, mais aussi avec la participation de tout un chacun. Et sa politique de upliftment, de nation building, ni demande, non seulement prise de conscience, mais un changement d'attitude, mais il demande une politique d'inclusivité et une wide participation. Objectif idéal, parfois utopique, mais aujourd'hui, heureusement, on est capable de poser des questions. Pourtant, on pose des questions. Personne n'est pas content, il va obéir à devant la porte d'un politicien, mais ici, il a une responsabilité. Tout est content qu'il vraiment quand on pose création d'emplois. À un certain moment, je dirais pour l'Agence nationale d'emploi. Mais, nous avons aussi, parfois, ou avec les politiciens, parce qu'ils sont sentis qu'ils croient qu'ils délaissent. Alors, il ne faut pas aussi le stratisme, le politicien. Ici, l'humain, il ne faut pas me dire qu'un politicien pas besoin d'un salaire assez décent. Il y a un débat. Est-ce qui privilège à capter ce statut? Et là, on ne peut pas dire pas besoin de remettre ça en cause, mais aussi, le besoin est juste envers la classe politique. On ne peut pas dire la classe politique de David un rôle, et qu'il y a une bêtise. Non. Mais c'est bon, la prochaine cuisine, je dis aussi qu'il nous a tout exige du droit. Côté la droit et l'obligation, il est capable de remplir sa même obligation. Merci. Merci, le camarade de Bienvenue Supéter. Donc, deux dernières questions. Donc, effectivement, Madame Denis, donc la régie, vous êtes prêt pour toi, bonne réponse, bonne vote. Ok, après, à la fin de l'office. Bonsoir. Mon nom, c'est Minara Denis, votre docteur en pharmacie. Et depuis la semaine dernière, mon président de la SACI. Alors, ma question, c'est à M. Passoir-Mel. La SACI n'a pas eu mes enfants pour opérer à l'extérieur, justement pour ne pas arriver à un état de handicap. Et récemment, une change de constitution, maintenant, nous faisons l'opération localement. Et ça, c'est très important pour qu'il nous comprenne que maintenant, un homme a cette opération, nous peut faire ici, surtout depuis Covid, parce qu'il n'est pas capable. Et ma question, c'est qui fait gouvernement à prendre en charge Madjoun, dans le côté social évidemment, Madjoun qui dans le besoin, va laisser pour compte. Qui fait un homme de plus en plus mal ONG, que ce soit pour de manger, comment dire, ou sinon pour la violence domestique, ou pour le côté médical. Qui fait le senti que le gouvernement sont en compétition avec ma ONG. Au contraire, vous trouvez ma ONG, c'est là pour aider. Mais pas typiser une autre ONG. Le gouvernement typiser prend ses responsabilités par rapport à la population et pas les Smadjin qui en souffrance se laisser pour compte.
voilà, on tient content, comprend qui fait le raisonnement de là. Merci. Merci bien, merci. Une bonne question. Il vit l'importance de la société civile dans le développement d'un pays, développement social, économique, etc. Et livrer, moi, on peut dire là, Sakim et pas les autres ONG, le terrain, vous faites un travail extraordinaire. Vous faites avec les guerres, avec l'amour. Et, mais malheureusement, le gouvernement et le ministère, de tout ça qu'on peut dire moi, de tout ça qu'on peut dire concurrence, c'est une fausse conception. Au contraire, si je suis intelligent, je suis réuni à tout ça par l'ONG dans notre service, là, dans ministère par ministère, appelle-je, cause-en-je, intéresse-je de bande d'affaires pour gagnant-gagnant pour tous les deux. Problème-là, tu peux diminuer, je te gagne moins de problèmes, etc. Mais malheureusement, je te fais différemment. Ce problème-là, il y a une question de perception du gouvernement, qu'est-ce que l'aime? Il donne ce bande d'ONG moyen pour l'implémenter sur le terrain. Lui-même, il n'est pas capable de faire. Et si vous pouvez faire, vous n'avez pas capable de faire ça. Vous regardez au service que le gouvernement a donné, l'attitude qu'il a donnée vis-à-vis de tout le monde. Vous pouvez maintenant dire qu'il a souffert, mon avis en plein, dans le pays, quand il a souffert, quand il a besoin d'une affaire, il y a une constance. Par exemple, pour prendre comme un exemple, il y a plusieurs autres exemples, pour qu'on identifie que moi, dans mon bureau, un gradué, il est handicapé, il ne vole pas aussi. Il y a la place pour gagner un passe. Vous connaissez qui l'attitude de Béjabili? Vous avez dit qu'on fait primaire. La graduée, elle a posé une question comme celle-là. On fait qui passe primaire? Il dit non. Secondaire? Il dit non. Il a dit qu'on a un BSC honnête par un médecin d'accord. Vous pouvez comprendre ça, l'attitude qui est là vis-à-vis de la perception que j'étais là. Et je pose une question, comment va le travail? Il dit qu'on a un système autorisé, ça qui doit pas venir de le travail. Mais que ce soit vous êtes en part, par coup. Vous ne comprenez pas quand il y a façon de là. Alors, vous pensez, moi, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement, il fait une politique vis-à-vis d'un NGO, société civile, il fait les croire, il y a envie de politiser tout. Il y a envie de politiser tout. Longtemps, si comme tu peux donner financement à un NGO pour soutenir un monde pas handicapé, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Si comme il y a STC, il y a qui donne la case par la case. Depuis que ce gouvernement prend une pension, il y a une banane, Maurice Télécom arrête de donner une banane. Il vient faire tout le CSA. Télécom fait pareil, Télécom, SICOM, State Bank, il peut faire pareil. Mais vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Je vais marginaliser la société civile qui est une affaire bien, bien mauvaise. La tendance générale, c'est qu'il permet à la société civile de jouer de rôle et de capable de faire travail. Là, vous pouvez traiter les enfants. Par exemple, pour le faire des plans local, est-ce qu'il y a un support du gouvernement pour ça? Il y a payé 1 million pour mettre du monde dans le traitement. Vous pouvez faire ça pour cela dans l'avant. Et ceux qui se font des plans là, ils vont pareil. Ils vont vous donner le coup de mélange. Ils vont vous même reconnaître. Mais ça, c'est pas une affaire qui est mauvaise et qui vous a changé ça aussi. Alors, mon coup de prendre l'exemple là, les enfants pieds beaux. Vous connaissez ça? Parce qu'il n'y a aucun service correct pour eux. Et dans beaucoup d'opérations, d'après le BILAPS, mon récit est volontaire depuis la France, et nous faisons un travail avec SIFA, avec un docteur, pour qu'après aujourd'hui, nous traitons 60 enfants prévaux, nous créons une clinique prévaux dans le Global Rainbow Foundation, pour 70 enfants. Alors, si on peut dire, on n'a pas vraiment raison, hein. Mais ça, pourquoi encore une fois, on revient dans un parti politique, puis un médecin dans notre manifeste électoral, ils ont pour responsabilité, ils ont pour donner de moyens. Ben, nous, on va faire le travail de terrain parce que je ne suis pas capable de faire ce travail. Merci. Merci, encore. Je vous prie, je vous prie, je vous prie, je vous représentativité, tout ça là. Pour moi, connaissez mon mémoire correct. Première fois, vous pouvez appeler un chinois, sino-mauricien, dans le cabinet. Tout le temps, il est là, tout le temps, il est là, Là, il n'y a pas de lit. Alors, pas la personne pour mettre dans le cabinet. Mais le gouvernement, il est capable, prend quelqu'un, il a un poste qu'il est capable de mettre comme abonné d'un général, il est capable de trouver un dimoun pour qu'il ait un conseil là complet. Mais tout ça, ces affaires là, vous pensez, il dépend de volonté pour vraiment dans l'unité nationale et regroupe tous les composants de la société pour garder sa jolie en conseil que nous connaissons. Merci. Donc, mon camarade, il arrive bientôt, il faut bien un close. Et.
C'est là qu'il y a un point 30 secondes seulement. Donc 30 secondes par plus. Démarrer 29 secondes, 28 secondes, 27 secondes. Démarre en place. Oui. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'être présent, messieurs. Merci beaucoup pour votre temps. Un petit question à M. François Ravet, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour toutes les questions. Merci pour toutes les questions d'Alain. En fait, mon question, c'est qui vous conseille un petit monde qui est dans le besoin? Parce qu'il nous parle vers une direction que la pauvreté empire. Avec le. Aujourd'hui, Covid a affecté beaucoup ma vie de temps, ce qui parle dans une situation très difficile. Et même ce qui est déjà dans une situation difficile, je pour dans un moment difficile, très difficile. La pauvreté attire du monde vers la drogue, vente de drogue, l'argent facile, vol. Il y a toujours rien qui empiré dans nos pays. Et moi, un petit arrêt que je peux demander aux pays qui ont déjà le terrain, qui peuvent faire un travail, que vous pouvez faire un travail extraordinaire, pour faire moins longtemps que l'humanité à plonger, pour une donne mal handicapée, ou de plonger, c'est aussi possible, c'est au parable de ce qu'on t'a fait. Mais le combat contre la pauvreté, vous pensez qu'il y a depuis 1968, avant tout le temps, nous allons tout politicien de le bien-être à nos populations. Mais qui vous conseille un petit monde qui est dans sa situation-là, je vous dis, à faire, ou qui vous conseille pour un collègue qui est dans le Parlement en général? Pour moi, le gouvernement, c'est le Parlement, parce que nous avons le Government House. Ici, Maurice, on a l'impression de faire un gouvernement, le pouvoir, pour moi, le gouvernement, c'est tout ce qui est dans le gouvernement, c'est le gouvernement. Mais qui est-ce que vous conseillez ou un collègue qui est aujourd'hui dans le gouvernement, et qui est-ce que vous conseillez un petit monde de la population, qui est-ce que vous faire pour un peu accompagner un petit monde qui est dans le besoin? Et c'est tout. Et c'est une excellente question. Oui, vous pensez, est-ce que vous êtes capable de faire tirer à ce parce que la question est très importante. Brièvement, il dépend vraiment le gouvernement sur le policier. Est-ce qu'il est vraiment sincèrement bon? Alors, est-ce qu'il vraiment sincèrement il a envie d'améliorer contre ce bandit monde? Est-ce qu'il se bat mesure qu'il prend, bandit pizza qu'il vote? Si vous donnez un exemple, on va rentrer dans le détail, mais vous trouvez qu'il y a beaucoup de pizza qui ont voté, ce n'est pas servi pour qu'on puisse servir. Alors, qui peut faire dans cette situation-là? Vous pensez que côté de l'ONZ, nous pouvons faire maximum qu'il est capable, hein? Mais si le gouvernement, c'est le gouvernement qui doit prendre une mesure d'une façon pour soulager ce bandit monde-là. Mais quand il va le député, moi, vous allez dire pourquoi il va député de l'opposition, qu'il y a envie qu'il bande les autres. Moi, je suis avec eux, pourquoi je suis eux. Je demande un coup de main, pose une question parlementaire, le man issues, pour qu'il y ait une solution qu'on va trouver. Donc, moi, je fais le travail dans ce sens-là. L'opposition fait ça d'une façon bien systématique. Moi, je suis avec eux pour la loi. On fait 4-5 députés pour une question de la loi. Pour un handicapé, et ministre répond, pas répond, etc. Mais nous servons de moyen pression là. Hein? Et vous vous êtes déroulé sur la question de la loi là, on finit pour répondre la loi complète, et pas l'expert, c'est dans ce qui la connaît, expert de le coup de main, nous préparons la loi handicapé, qui ne valorise, qui ne reconnaît pas un expert international des Nations Unies. Right? On a envoyé ça, ministre de la Sécurité, le Premier ministre, etc. Ministre de la Sécurité sociale, pas même acknowledge. Mais il fait son bureau, téléphone au bureau, demande à nous envoyer une PDF version, il peut avoir une Word version en nous. Et nous envoyons une Word version. Il peut faire ma connaissance pour copier, évidemment. Mais il peut dire à quel point je ne suis pas attentif, je suis pas une chose. Alors, pour qu'on va pas de pauvreté, moi, je crois que tout le monde est capable, nous tous ensemble, nous montrons nos solidarités, nous accompagnons pas tout le monde. Pour le moment, je décide de faire ça, c'est bien en volonté. Ça, c'est mon mission, ça, hein, de me consacrer toute l'année qui est là après mon retrait dans ce service-là. Right? Mais comment nous sommes dans cette situation-là, si un gouvernement prend une mesure dans cette direction-là, il peut soulager beaucoup. Mais pourquoi la population, nous tous avons une solidarité avec une mesure plus faible, et c'est ça qui amène un changement important. Vous comprenez? Parce qu'on n'a pas toutes les solutions que les gouvernements ne peuvent pas comprendre. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez les enfants qui ont amputé, pourquoi nous tous avons le défi. Chiara, délité dans l'opération, il a 8 ans, il faisait l'école. Vous connaissez ça qui fait gagner l'école? Les défis. Faudrait les défis de téléphone ministère, d'un appel d'affaires, les alas de l'école,
de mettre l'école comme Caroline et Côte parce que là, qui est là-bas, ils ont envoyé l'école plus loin. Vous pouvez comprendre comment ça fonctionne. Alors, je peux un sentiment, je peux l'humanité pour servir la classe plus pauvre. C'est ça le point qui me pose, c'est qu'on dire. Alors, comment vous sentez ça, nous tous, Mauriciens, comment ça en dit, si nous donnons nos coups de main, nous tous, nous solidaires, quand on vous propose, vous soutient aussi, vous bien content, vous contactez vous, parce qu'il a fait une année, là, nous travaillons dans une swimming, une pool, hydrothérapie, pour un handicapé, une meilleure solution de traitement capable de faire ça, pour finir le mobilisme, funding, là, nous vous faisons ça pour donner un handicapé, c'est manuel. Alors, merci pour vos propositions. Hein. Mais si chacun d'entre nous donne un coup de main, nous allons faire beaucoup plus. Une question très très intéressante parce que c'est la société qui dépend de ça. Moi, mon coup d'œil, mon gagnant, mon conseil pour camarade, d'ailleurs, mon politique ministre. Prenez, nous ne sommes pas capables d'avoir une ad hoc approach pour combattre la pauvreté. La façon que le gouvernement peut faire, qui est le gouvernement, l'ancien gouvernement, qui est le président du gouvernement, avec le ministère, c'est pour moi de la moque sans fond. Donne passe, donne livre, donne ceci, donne la part. Non. Travail, mon camarade en ligne, tu viens, le premier ministre, le staff, le disonnier, le voit. Mais tu peux poser en ligne le problème de la pauvreté dans Maurice. Et moi, tu connais moi comme le père, comme le premier ministre. Je fais tout ma association non-gouvernementale locale, j'ai servi ensemble. Caritas, l'autre. Et discuter qui a grosse nous a énorme pour sauver la pauvreté. D'abord, nous avons une data. Si vous pouvez, combien du monde dans la difficulté, combien de familles dans la difficulté. Les lettres ne peuvent pas, je vais publier un white paper. Et je mets de temps d'être. Qui dans 10 prochaines années, je peux tirer 50% du monde dans sa cible, dans sa trappe de pauvreté. Qui fait non seulement de la case, mais mettre un social worker pour superviser, qui s'en va une famille qui nous gagne travail là, qui nous gagne la case là, je vais agir comme un parent responsable vis-à-vis de enfants, et que les enfants qui gagnent l'éducation nécessaire, les là, nous capables, le gouvernement passe la loi. Et il me fait ce travail-là, on ne pas connaître les résultats d'aller, mais on coupe avec ça. On a une copie sans voir tout le temps. Tu vois, le premier ministre-là, envoyez-moi une copie sur Green Paper, il a envoyé moi, et on a encore une envie. Moi, je pense, sincèrement, qu'il nous peut causer, le gouvernement peut mettre l'argent, pas qu'on ait quoi de casse-pierre, qu'il nous disait une approche scientifique pour combattre la pauvreté. Merci. Pour les camarades, je vous rappelle bien que Maurice, c'est le centre observateur de la SADEC, pas même la lutte contre la pauvreté. Et quand Dr. Amblin, c'est pour le ministre, il s'y laisse ONG et société civile faire ce travail et pas tant qu'une de fond. Sachant qu'il y a aussi quand même, je disais, au père en toute transparence. Et le ministère de l'intégration sociale tient fait un travail formidable et tient une synergie entre National Empowerment. Donc, National Empowerment Foundation, Foundation et la société civile. CSA. Hein? Avec CSA. Moi, je vous donne un cas spécifique. Je vous rappelle, d'ailleurs, mon camarade de la sortie dans un conseil de rose, on l'a dit, dans Cluny, tient un couple qui avait dormi en bas de et ces enfants-là, avec le concours de la l'ONG, c'est qu'ils ont fait le mari, une beau, qui a un cancer, la femme qui est assez jeune, qui construit la case pour bien, la case ciment, et qui donne un cahier de choses qui est bizarre. Elle, la politique d'empowerment veut dire que ces enfants sont à l'école. Et même la dame, il y a une jeune femme qui a dit, bien sûr, elle ne va pas se tuer. Mais il disait, bien sûr, il a ça l'esprit, il a sa sentiment matriarche, et il disait, j'ai un matriarche, il disait, faire un empowerment du sauvage. Avec un cahier de choses bien établi et suivi par la société civile. Ça va nous en faire là, de Juxon,
elle est pas académique correct, je dirais ici, je dirais ici. Mais ça suivi là qui importe. C'est qu'on appelle le hand-holding approach. Et ça hand-holding là, vous allez faire conjointement avec le sérieux qui est là, secteur privé, société civile, secteur privé. Et pour penser la raison, c'est aujourd'hui, tout ça va une gros boîte gouvernement là, mais pouf, ça va dans ça là, sans qu'il n'y ait aucune transparence. Et c'est ça le malheur. Ce que tu as dit, là, donc il y a effectivement pour nos démocraties, il y a aussi démocratisation de l'économie. Donc, Kevin, en partie, répond à nos camarades Kenny. Donc, démocratisation de l'économie qui va créer forcément un nouveau risque pour le camarade qui fait créer une compagnie en janvier pour 250 millions ou pour les autres camarades qui ont un problème pour 500 millions avec MIC. Donc, en totale opacité, comment vous dire. Mais aussi, et, ben, c'était informel, et un small enterprise, un medium. Donc, nous avons la représentante de la Semi Chambers avec nous aujourd'hui. Donc, donne aussi accès au marché. Parce qu'il y a un certain marché qui est accaparé, et qui dit bien certain marché qui est accaparé, parce que c'est pas le PME, c'est pas le petit qui crée le plus d'emplois. Et ça, il pouvait en même temps résoudre une partie de sa problème de pauvreté. Donc, nous terminons par là. Donc, on demande Wayan qui nous donne un gros coup de main de sa préparation-là, affiche un résultat. Est-ce qu'il ne peut pas afficher? Est-ce qu'il ne peut dire aller? Ok, allez-y, vas-y. C'est bien aussi un nombre approximatif hein, de personnes qui le dit. Donc, première question, est-ce que Maurice devient un dictateur à peu près 390 millions de dollars? Attends une seconde dans la salle, que je te dis. Hein? Oui, non, presque. Oui. Non. Presque. Non, c'est oui. Ah, je veux dire oui. Allez. Allez, ta réponse. Donc, 390 000, 82%, 311 000, ils votent oui. Tu m'oublies, c'est bien indiqué. Oui. 6% équivaut à 23 personnes, non. 43 personnes, 11%, presque. D'accord. Donc, deuxième question. Quel status de nos démocraties parlementaires? Donc, dans la salle, Marie civilisée ou pas Charanette? Marie civilisée dans la salle? Pacharanette. Pachara Marinette. Donc, trois, allez, oui, c'est vrai, mais. 10-90 millions de répondre, donc 100% Pacharanette. J'ai identifié le coupable, c'est vrai. Donc, troisième question. Pension aux 13 500 roupies, est-ce qu'il y a une bribe électorale? Oui ou non? À peu près 240 personnes ont voté. Et 220 des dimouns qui veut dire 92% oui. Okay. Et 20 dimouns, 8% non. D'accord. Même 20 ans. Et 20 ans, c'est une bénéficiaire, mais je vais attendre. Donc, qui pire Premier ministre Maurice, il a gagné. SSE, 3 dimouns votés, 10%. Sage, 10%, 3 dimouns votés. Navin 6%, 8 dimouni voté. Et Pravin 130 dimouni voté, 90%. Vous répétez la question là, hein? Qui pire Premier ministre Maurice Gaillet? C'est la question qui était délice? Pravin. So what? Vous avez la pire. Donc, si je tenais une petite réaction, il nous termine au line de la fin. Non, le. En fait, le Premier ministre, il a un sondage. Le grand gagnant, mais il vient le pays à genoux. Et ça grave, le pays à genoux parce qu'il est dans la mauvaise gestion. Et sa contribution énormément qui fait le pays à genoux. Le pays mérite mieux, et moi, on nous apporte du décor, il accélère sa processus du changement. Et bien sûr, le changement, c'est vrai, c'est pas le statu quo, mais il y a un changement représentatif de sa mosaïque de la société. Le mot de la fin, nous on va terminer là. Enfin, il y a une très bonne discussion, mais malheureusement, il n'y a pas en fait des coups à cause de beaucoup d'affaires. Il est bon penser que nous n'avons pas perdu l'histoire. Malgré qu'on a une parole de pensée hier, il n'y a pas d'expect ça gouvernement vraiment. À nous, souffrir, évidemment, nous pouvons souffrir, mais à nous,
comme la connue l'ANSI, le groupe aujourd'hui qui le ONDI et Maurice, qui à cheval de ça, problème de démocratie, d'être démocratie là, nous élangeons, nous faire beaucoup plus de travail, de discussion, et moi mon pensée, qui tout problème que nous pouvons faire face, non pas plus qu'à 100%, mais à 90%, nous sommes capables de créer un Maurice. Comme nous sommes capables de gagner un pays où nous sommes founding father de la Constitution qui dit plus juste, plus démocrate et un pays démocrate pour tous les droits de tous les citoyens, de tous les citoyens de sa pays-là. Moi, pour terminer, pour dire qui nous peut faire chacun d'entre nous après sa rencontre aujourd'hui-là, pour déterminer l'eau, ce n'est pas pour progresser dans un combat contre ce qui permet le pays et promotion de démocratie dans le pays. De chacun. Moi, je veux dire, en aparté avec l'ancien président, et que sur l'expérience et conviction qui est là, et que le tout bon d'affaires, je pense que c'est intéressant, si vous êtes capable de dédiquer un petit peu de temps pour qu'ils prennent l'équipe ensemble, hein, ou capable de contribuer, dans l'équipe du monde capable de donner, ou capable de présider ça, nous réunir ensemble, nous tous, d'accord, nos contributions, nous préparer quelque chose dans le sens. Et quand les autres parties qui peuvent travailler déjà, hein, mais avec sur l'expérience, il faut penser qu'il est intéressant, qu'il est capable au moins de donner ça à ce pays, hein, qui bat nos pays, nous capable de définir une nouvelle constitution et nous allons là, faire notre partie politique aussi, pour qu'on prend conscience de ça et servir. Voilà ce que nous avons, parce qu'il y a une jolie discussion, mais qui peut arriver, what next, pourquoi il est important qu'il nous engage, nous, dans une direction qu'on est capable d'aller vers ça, et là, nos pays capable de sortir de cette situation. Nous devons sacrer, faire des vis-à-vis du pays et ne pas qu'on reste insensible. Merci. Merci, Pastor. Donc, juste. Permettez, M. le Président, de dire un des niveaux. Prenez, je vous cite l'exemple d'un. L'un, quand l'institution commence à faire, quand la démocratie tient un peu en danger, la Cour suprême fin interprète la Constitution pour qu'elle autorise groupe. Action groupe par groupe du monde en action qui appelle ça public interest litigation. Mais malheureusement, pour nous, nous ne sommes pas capables d'une constitution libérée. Et si la Cour n'a pas trop été détruite à la largesse, mais nous sommes capables de trouver un moyen qui, si l'institution peut faire, vise un judicial activism qui du monde rentre un test à la Cour suprême. Et la Cour suprême décider si pas la Constitution, la démocratie menace. Merci. Donc, je voudrais remercier tous nos camarades qui là, qui travaillent depuis le mois de juin, finalement, nous besoin, tous les mois. OK. Et vous rappelez nos camarades qui sont sur donc, vous pouvez espérer pour répondre à vos propres soirées, qui, vers le mois de décembre, janvier, oui, le groupe pour éveiller Maurice pour capable de soumettre. Un drapeau, l'eau à différentes thématiques, à différentes solutions.